Ouais. T'es où? Ah, t'es là. On est parti. Ouais. 20e bivouac avec Quentin. C'est vrai? Non. C'est pas le 20e, mais on est pas loin. Hein. Je pense qu'on est même un plus. Mais non, tu le vois. Je sais pas. C'est plus jeune. Bientôt, je vais mettre nos deux logos côte à côte. Hein. Je vais faire un mélange des logos. Oui, avec deux H sur ton logo. Incroyable expérience nature bushcraft. Ah, elle est calanque de. Regarde de. C'est là qu'on va. T'as vu les... ah, oui, alors, d'accord. Je tourne la caméra. On va à peu près aller en face de l'île, théoriquement. Regarde les calanques. D'accord. D'accord. Ouais, ça marche. D'accord. Allez. Oui, je m'amuse. Ou un coup au passage. Ouais, mais si j'ai pas trop de temps, donc je fais vite. Alors là, c'est vache, hein, parce que ils nous font descendre pour ensuite remonter. Vous. Au secours. Je rentrais dans ma maison. Je rentrerai voir ma maman. Alors, on est tout près de l'eau. Bien descendu. Je crois qu'on va rester plat maintenant. C'est cool. Ça, c'est cool. Oh non, ça remonte. Ouais. Ah non, ça remonte, Quentin. Ouais. Il est où? Il est là. Il est là. Toi? Désolé, ça sera juste à côté. Ah, moi j'en peux plus. Non, mais sinon là c'était pas mal. C'est parti là. Bon, Quentin? Oui. Toi tu voulais qu'on se mette là, hein, c'est ça? Hein. Non, j'ai mis ça. Si, si. Mais moi j'ai vu là-bas. Là, exactement, mais là. Agnès, c'est un cas, regarde là-bas, ça a fait mal. C'est pas vrai. C'est toi qui as trouvé. Ouais, il y a du soleil en plus. Il y a du soleil, il y a des mains. Bon, là, on vient de rater une belle chute. Là, j'ai fait une glissade, mes aïeux. Mais j'ai réussi à pas poser les fesses. Juste à 2 cm. On arrive là. Y'a quoi? Y'a un saut? Génial! Ah ouais, je pense que là, il y a un bon saut. Ah ouais. Ouh là là! Oh là là! Génial, génial! C'est quoi, oh là là? C'est pas mal? Bon, ça se mérite, hein? Mais... Oh là là, ça y est, lui, il se pose, là. Pas de doute. Il a trouvé son coin, là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, quoi? Oh, il y a une araignée. Ça y est, il est posé. Ça y est, oh là là, avec des sapins derrière. Regarde l'île déserte. L'île, on va essayer d'y aller. Hein. Regarde l'île déserte là-bas. Ouais, et puis avec mon caméscope qui va dans l'eau. Regarde l'île là-bas. Oui. Ah, où ça? L'île là-bas, l'île déserte. Ah oui, Quentin? Oui. Regarde, il y a une île là-bas. Ah oui. Ouais, chassure. Attends, je te la monte mieux, regarde. Ah oui? Là-bas. Tu vois mieux maintenant? Ouais, ça y est? T'as vu l'île là-bas? Là ouais. Ça y est. Allez, je me pose aussi, j'ai toujours mon sac à dos. Allez, au revoir, Indiana. Salut. Toi, tu peux continuer. Hein. Mais Quentin, qu'est-ce que t'as fait? T'as déjà travaillé? Vas-y, lève tes fesses qu'on voit mieux. Mais c'est costaud, hein? Ouais, ça a l'air bien, hein? Hein, là, on est dans la mangrove. Là, c'est la mangrove, tout à voilà. Fait. Avec un beau chêne directement dans l'eau. Ouais, dans la flotte. Bon, à savoir que l'eau est vraiment à son plus haut niveau. Ouais. Et que ça dure pas très longtemps. Hein. Ça dure un petit peu l'été, mais tout le reste de l'année, c'est un trou. Je pense que tout le reste de l'année, on peut même aller à pied à Lille. Voilà, sinon après, on... Choisis les gens, c'est qui là? Putain, regarde ici. Ça fait une forêt aérée, fraîche.
Voilà. Bon allez, on va aller se poser. C'est beau. Boum. Allez, c'est parti. Ouais, j'aime bien quand tu... Allez, Quentin. Elle est fraîche ? Par contre, elle est vraiment bonne. Oui. Magnifique. Parce que là, ça va. Quand ça commence à toucher les parties, c'est délicat. Bon, j'y vais. D'accord. Salut. Merci, à bientôt. Ah. Alors, elle est bonne ? Ça va. Elle est super chaude. Allez, Quentin. Bonsoir. Yana, viens. C'était un faux. Elle a peur. Oh, la gueule. J'y vais ou j'y vais pas? Vas-y. J'ose pas, j'ai peur que ce soit trop près. Mais non. Bonsoir. C'est nickel. Comment? C'est nickel. Nickel. Je vais remonter à l'échelle. D'accord. C'est ça l'échelle, je pense. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me veut? Tu veux me bouffer? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Elle te reconnaît pas. Mais c'est moi. Elle a peur de moi. Aïe. Reculez. Reculez, madame. Reculez. Reculez! Allez, va, Indiana! Allez! Ah, oh, quelle chouchotte! Ah, putain, ça va vous plaire! C'est là! Allez, viens! Allez, viens! Allez! Ma casquette ? Ma casquette ? Où est-ce qu'elle est ? Bah derrière toi ! Ça y est, je la vois, déconne pas, elle est en train de se noyer. Tu la vois ? Oui, oui, oui. Elle est droit devant mon doigt là, vite, vite, vite. Sans déconner, nage, nage, nage. Ah oui, merde ! C'est ça ? Mais oui, vas-y, je te jure que c'est ça. Oh, il me prend pas en plus, hein. Mais comment elle est allée si loin ? Je sais pas. Bon allez, salut. Salut. Franchement, c'est super. Donc le hamac de Quentin. Mon bazar. Ça, c'est un petit hamac que j'ai pris pour me faire un siège. Et puis mon hamac, voilà, avec mon duvet dedans. Bon, donc j'ai ramené tout le bois facilement. Voilà, j'ai rien coupé, j'ai juste ramené ce qui traînait au bord. On va faire le feu ici, là où j'ai planté mon bâton. C'est calme parce que Quentin est parti au camion en courant pour chercher son chargeur de téléphone. Et oui, il en veut, mais il y a. Même en courant, je pense qu'il mettra, allez, 20-25 minutes. Donc, ouais, 50 minutes aller-retour, je pense. Le soleil est tombé de l'autre côté, là. Dommage.
regarde. Il est rouge. Waouh. Invraisemblable. Bon, ça c'est nickel. Toi t'en as pris encore plus. Comment ? Non, ça marche bien la machette là, sur le côté. Bien sûr, ouais. Non, c'est clair. Voilà, par contre, ça pique un peu. Ah, j'aime bien tenir là, mais c'est déjà archi tendu. Ça va ? Ouais. Bon. Franchement, ça va. Je vois absolument pas ce qu'il y a comme... Bref, ce qui tombe parce que j'ai pas mes lunettes. Ouais. Je vois pas en fait. Il faut encore un petit peu. Un petit peu. Ouais. Ils sont bons, hein. Ouais. Voilà. J'en boufferais des odeurs comme ça. Merde. Voilà. C'est une crampe. Ah bon ? Ouais. Bon, je pense que ça va pas tarder à répondre. Je pense qu'elle y est aussi. Ça s'arrête pas de fumer. Ok, à mon tour. Attends. Action, réaction. Attends, je veux voir ma braise. Ouais, elle est jolie, bravo. Oh, tu l'as mis à lever à la corde de Mika. Ah. Non, mais je m'en fous, il y en a plein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est très très belle, oui. Ah ouais. Ouais. Ouais, là, là. Elle est énorme. Attends, non, ça fait pas bon, tout ça quand même. C'est bon, exagère pas. Non, mais attends. Donne-moi ça. Ouais. Ah oui, non, elle est bête. Si elle a surtout pas tombé, je vais te tuer sinon. Attends, je voudrais montrer. Donc voilà. Excuse. Ouais, putain, elle est énorme. Ouais. Travail d'équipe. J'adore ça. J'adore, j'adore. Toujours un moment magique. Avec une aussi belle braise que ça, tu devrais y arriver. Pouf! Deux secondes! Oui! Je vais faire ça si tu permets. Oh non, je te permets pas. Je vais te recadrer avec ça. Yes! Ça va? Yes! Roule pas ton kit là! Ton kit! Où ça? Ta bon. Ah oui! Oh là là, il est tombé. Il est tombé. Et il va bientôt faire nuit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au menu, confit de canard directement dans la boboîte.
Et l'huile va forcément bout et se renverse légèrement sur le côté. Donc ça attise le feu au fur et à mesure. Ça va, c'est pratique. Ça c'est tout seul. Voilà. Vite parce que j'ai. Vite, ouais, mets de l'eau, ouais. Mets de l'eau. Mon Dieu! C'est normal, l'eau et l'huile, ça brûle. Ah d'accord, merci du vent. Encore, oui. Non! Mac mon gant! Donc, le riz, à cuire tranquillou, je pense. En plus, ouais, pas tranquillou en fait. Il est un peu surchauffé là. C'est un réglable avec une planche en bois qu'on a trouvé. Je crois que comme ça, c'est l'idéal en fait. Ouais, bon, bah, Quentin, voilà. Ouais. On fait comme ça. Ça va, tu me dis si c'est une crampe, hein? Oui! Oui! Le magret, c'est bon, il a eu sa dose. C'est pas du magret, attention! Ah, chaque fois je me fous! C'est du confit, ouais, chaque fois tu fais des... C'est du confit, ouais. Voilà, c'est prêt! C'est prêt! Allez! Ah, vite! Oh, t'as fait une belle cuillère! Ouais! Vas-y! Je sais que t'adores ça, putain! Oh! Oh, c'est trop bon, hein! Bon bah c'est simple mais c'est délicieux. Ouais. Je vais être silencieux là. D'accord. Oh, oh la vache. Ah ça chauffe. Nous sommes dans les flammes de l'enfer. Ah, oh, oh, putain. Ah, je suis en train de cramer. C'est bon, c'est vide. C'est bon, c'est l'idée. Ah, il y avait encore du canard dedans. Oh, oh non. Oh. Ah non, c'est bon, c'est des mini-bouts. Oui. Bon, bah voilà, il est un peu plus de minuit. Minuit 15. Oh, on a bien papoté. Après avoir mangé. Oh, ça fait bip bip mon téléphone. Et puis, donc, Quentin est couché ici. Voilà. Bonsoir. C'est bien. Bon, moi je montrerai mieux mon montage tarp demain. C'est ouvert en fait. Voilà, mon duvet est là. Je suis dans le hamac qui m'a servi de siège donc toute la soirée. Donc ça c'est cool. Bon bah allez, ça va être l'heure d'aller au dodo. On a un super ciel étoilé, c'est génial. C'est vraiment des conditions top top top. Tu as bien dormi? Ça va à peu près, ouais. Allez, petit allumage du feu pour le petit déjeuner au soleil. Qu'est-ce que tu dis? Non. 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 Je sais pas si je monte ma tête encore, vaut mieux peut-être pas, qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Non. Bon, non, j'ai plutôt montré le soleil. Là, c'est nickel, ça chauffe direct sur nous. Bon, il y a un petit pêcheur, là, qui font chier. Bon, allez. J'attends que le feu chauffe un peu pour mettre de l'eau dessus. Enfin, pas directement, hein, sinon je vais éteindre. Donc Quentin, montre-nous ta mixture. Il y a un peu de la cendre dedans, mais très peu. Oh non. Non, mais c'est pas grave. Mais non, parce que ça va être pour moi, ça. Mais c'est comestible. Enlève-la. Oh là là, c'est un truc de dingue. Ah, mais c'est dégueulasse. Bon, j'explique pendant ce temps-là. Il vient de faire un faux Nutella avec du chocolat noir et un peu d'huile.
bonjour le gras. Moi, je viens d'essayer de récupérer comme je peux les bananes complètement écrasées. Vas-y. Écrasées, les Indiana hier les a écrasées, elles sont toutes molles comme je les déteste. Mais on va améliorer tout ça en mettant donc. J'adore. Voilà, hein, parce qu'il est pas loin de l'heure de manger, presque en fait. Et voilà quoi. Hein, on se dit qu'on n'a rien à manger. Si on va pas refaire du riz comme hier, c'est tout ce qui reste. Puis c'est surtout qu'on va éteindre le feu parce que il est très fumant. Et puis hop, tout petit peu de passage. On a vu 3 personnes. Ouais. Un couple. Oh ma gueule, on passe pas le chocolat là. Ah, tu veux le chocolat? Attends. Tiens. Merci. Ouais, il y a un peu de monde qui passe. Ouais. Bon. Voilà, c'est bon. Allez, je goûte. C'est dégueu. Super beau. Ouais. Franchement, les bananes écrasées comme ça, toutes seules, c'est dégueulasse. Mais là, c'est super bon. Attends. Continue de finir. Je rigole, il m'a connerie. Pourquoi? Quelle horreur. Regardez ça. Mais t'as quel âge, Agnès? T'as quel âge? 84 mois. Ouais. Donc, merci à Fifi pour son petit bout de migratoire là. Tu vois, j'ai gardé. Je vais le garder, c'est pratique. Donc là, ma gourde Kettle. Ouais. Oui. Alors, je disais une fois que je la lavais pas souvent, mais là, bah, fallait vraiment que je la lave. Elle était vraiment cracra. Du coup, avec de la cendre récupérée donc du feu éteint, hop, je badigeonne. Et on va voir. Oh, bon, ça fait 10 minutes que je porte. Hein. Non, je rigole. Quand même. Le résultat est là. J'ai pas encore fini, mais. Ah oui, j'avais pas vu. Hein. Jamais on l'a vu comme ça. Non, je crois que c'est la première fois qu'on l'a brillé. Bon, je vais essayer de la finir un peu mieux, mais c'est déjà mieux pour mettre dans le sac, quoi. Voilà. Allez. J'avais pas parlé de mon système. Comment j'avais dormi, donc comment j'avais mis mon tarp. Simplement, donc, en le mettant au milieu des 3 mètres. Sachant que j'ai rajouté un œillet, donc j'ai mis le fameux scotch gris. Je ne sais jamais le nom du scotch gris, Quentin. Le Delta. Le Delta. Le Duct Tape. Regarde, elle est sur l'entrebord. Ah oui. Vite. Excusez-moi pour le tourniquet, mais regardez. Indiana est sur le tronc d'arbre. Indiana, ça va aller. Et voilà, elle peut. Super, Quentin fait toujours autant l'imbécile. Et je vais le rejoindre, évidemment. Il se noie. Bon. Et donc, je l'ai mis sur l'œillet du milieu, du coup, qui n'existe pas normalement sur le tarp Décathlon, mais je trouve ça hyper chiant. Et donc, ça fait comme un triangle. Donc là, le vent les a rabattus. Mais moi, j'en avais rabattu juste un côté cette nuit. Et celui-là, je l'avais laissé pendouiller pour pas voir la sale tête de Quentin. Mais du coup, ça fait une ouverture sympa. Ça fait. Non, c'était bien. C'est bien sympa comme ça. Et c'est maintenu derrière, évidemment, en mode sol. Voilà. Toujours mon coucouche habituel, hein, avec mes oreillers, maintenant, je m'en passe pas parce que j'ai dormi une seule fois. Vous l'avez peut-être vu dans une autre. Vidéo, une seule fois sans ça et j'ai eu froid. Donc avec une nuit à 10 degrés et là il a fait 11 et j'ai absolument pas eu froid. Donc je pense que ça joue énormément en fait. Bon allez, j'arrive côté, j'arrive, ça y est, enfin. Bon je m'y mets doucement, hein. Allez, à tout de suite. Je suis pas malade après ça. Ah. Bon, vas-y, je peux filmer. C'est un petit moment que je... Ah bon? Ah, bon bah j'y vais. T'es prête? Ouais. Bon, j'ai mal au bas quand même en dessous. Ouais.
Avec le grand morgon derrière, c'est superbe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sors. Non, non, c'est bon, ça va. Ça s'habitue, ça s'habitue. Oui. Être dans le c'est une philosophie à prendre. Voilà. J'y suis. Ah, quand il y a une petite gouttelette d'eau. Ouais, ça va être bon là. Donc on voit un petit peu Quentin par ici là. Et donc je suis sur la petite île qu'on voyait de loin. Donc vous vous dites, mais comment a-t-elle fait avec la caméscope, Alors je vous explique. Voilà, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de Quentin, parce qu'elle sera sortie avant la mienne. Ouh là là, c'est cool de douille. Mais si ce n'est pas le cas, oh, je bégaye, ça m'énerve. Ça va pas du tout. J'ai pas envie de les refaire, moi. Je suis pas du genre à refaire trois fois la même prise. Bref, je vous montre, d'accord? Allez, je vous montre. Donc, voilà mon sac Decathlon à 3 euros pour ne pas faire de pub. À l'intérieur, il y a mon oreiller. Je montrerai ça une fois sur le bord. Et donc on avait mis dans un sac poubelle bien enrubanné au-dessus. Donc ce caméscope est étanche, mais en gros il préconise de ne pas laisser plus de 30 minutes dans l'eau. Donc moi j'ai même pas envie de le laisser plus de 2 minutes, donc je préférais qu'il soit protégé. Mais sinon il est parfaitement étanche, ce que j'ai trouvé maintenant. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc je vais monter sur cette petite plateforme. Très facile d'accès, c'est cool. On voyait pas bien de loin. C'était pas sûr, mais là du coup c'est génial. C'est un peu de la glaise donc. Mais c'est génial. C'est génial. Bon. Je vais voir où en est Quentin. Il arrive, c'est génial aussi. Je vais zoomer pour qu'on le voit bien. Mais bon, en même temps, j'ai pas mes lunettes. Donc de près, c'est une catastrophe. Je sais même pas ce que je zoome. Bon, bah si vous le voyez, tant mieux. Moi, je le vois pas. Je le trouve pas. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Il est là. Alors, je dézoome. Voilà. Sachant que notre camp, il est là. Non, il n'est pas là. J'en sais rien, par là, quoi. D'accord? Tu souffres? Voilà. Je crois que t'as pied, même, là. Tu dois avoir pied, là. T'as pied, tu peux marcher. Voilà. C'est génial, hein? C'est génial. Bon, on a dû laisser Indiana aussi, je précise, parce qu'elle nous suivait, mais elle avait tendance à faire des allers-retours. Donc elle est attachée là-bas, on va pas trop traîner. Bienvenue dans Finlande, on va survivre pendant 40 jours. C'est parti. Donc là, on a une magnifique vue sur tout le massif. Bah ça, c'est au-dessus de Chorges. Il y a les aiguilles de Chabrières, col de la Gardette, le Piolite. Voilà. Et donc, let's go sur ce petit îlot. Bon, est-ce qu'on peut mettre un hamac pour y dormir une nuit? C'est vrai que ça serait assez excellent. Ça me tenterait bien. Ça me hamacrait bien. Ah non, 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 je suis pas sûr. Hein. Ah, c'est chouette! C'est génial, hein? Oui. Le grand Morgon, là, dans toute sa splendeur. 2700 aussi, non? Je sais plus. Comme ça, 2500, je crois. Savine. Le pont de Savine. Voilà. J'ai oublié d'expliquer le super système tendeur. Donc là sur ces t-shirts, je ne sais pas si on voit là, il y a un truc pour l'accrocher, pour le
Donc je l'ai mis dessus. Je crois que c'est pour le surf, non? Hein? Non, rien. Non, non. Non, c'est pour les mettre en boule et tu mets l'élastique. Moi, je ah ouais. Toujours. Et sinon, j'avais mis donc mon oreiller. Moi, le truc magnifique rose que j'ai d'habitude. Comme flotteur. Plus une bouteille d'eau vide au cas où. Mais ça a super bien marché, quoi. C'est vraiment nickel. Le sac s'est absolument pas retourné. Et voilà. Je suis content. On a des idées quand même, des idées de génie. Pour ne pas faire de pub. Comme. Comme. Quelqu'un. Quelque chose. Okay. Voilà. Bon, on va repartir. Indiana nous attend, hein. Oui. Tu vas comme ça alors. Hein? Tu vas en chier avec la merde. J'y vais à pied. Quoi? Ah! 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 Est-ce qu'on voit le sac là? Tu arrives à quelle heure en fait? Bah voilà, on voit le sac. Donc ça marche pas. Non mais c'était pour montrer le système. C'est bon là? Non, on a toujours pas. Non, toujours pas. Ah, moi oui. C'est con hein. Sur la pointe des pieds. On est là, Indiana. Tu n'auras plus jamais peur. Voilà, ça y est. On t'abandonnera plus jamais. 10 minutes. 10 minutes là? Ouais. Plus rapide que tout à l'heure. Ouais. Oui, ma mère, on va te lâcher. Regarde comment elle nous regarde. Tu es du salopard. Allez, allez, viens! Allez, viens, Indiana! Allez, viens! Allez, viens! Enfin, ma gueule! Allez, viens! C'est bien! Attention, elle va te pétiner. Let's go! Indiana! Ah, il n'y a plus personne. Ah si. J'ai mis du temps, hein. Ouais, t'as mis du temps. Et l'autre qui suit. Fais gaffe, elle va piétiner. Ah, regarde derrière toi. Elle est arrivée comment? Bah, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle... Si, si. Non, pas d'en haut. Ah, bon. Elle est descendue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle... Regarde, elle traverse, c'est normal. Ça fait peur quand même. C'est vrai? Un peu, hein. Sans déconner. Ouais. Oh, c'est sympa, hein. Je vais crever. Non, mais laisse-moi mon caméscope avant de crever. Y'a que le caméscope. Allez, on remonte. Allez, on va remonter à notre petite échelle là-bas. Alors, on va remonter. Ouais. Fine là. Fine là. Ah merde, je faisais des grimaces. C'est pas grave. Donc tu disais que c'était pas facile? Oui, bon bah c'est bon. Hein? C'est bon, tu vas y arriver. Oh, c'est bon, ouais. Oh là là. T'es vraiment une chouchotte, hein. Au ralenti, ça, ça sera excellent. Tu la mettras au ralenti, ça sera énorme, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Agnès? Agnès! Alors commence. Oh, comment c'est rattrapé? Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Viens là. Vous me martyrisez. Quel salaud. Voilà. Cette fois j'ai failli vraiment. Ça tourne. Donc là j'avais trouvé derrière ce morceau là de Genévrier, c'est ça hein. C'est ça. Genévrier. J'aime beaucoup ce bois. Juniperus communus. Voilà. J'ai essayé de le travailler d'ailleurs. Et là, histoire de ne pas perdre, puisque je vais m'en servir comme bâton pour le ramener à la voiture. Et je prends donc l'écorce pour me faire une réserve pour un nid futur. Voilà, éventuellement, je mettrai ça dans un sac. Parce que l'écorce est très fibreuse. Voilà, donc j'ai pris le Easy de Tintin. Un gros couteau, hein, mais ça me va quand même. Hein. Ça me va bien. Hein.
Moi, plus ça va, plus je suis fan des gros couteaux, en fait. Mm. Au début, je trouvais ça lourd. Et bah, on s'y fait, hein, c'est comme tout. Donc, ça dépend des tâches, évidemment. Hein. Moi, j'aime bien pour les petites tâches, faire la petite drill avec mon Mora. Le bout, là, tu vois. Mm-hmm. Et puis, c'est... bâtonnage, ce genre de choses. T'as un problème, Quentin ? Ça y est, tout va bien. Bon, je sais pas, t'avais l'air, si t'as envie de faire caca, tu me dis. Ça va, ça va. Bon, allez, je finis ça, et puis on range. Alors, pour le bâton, en fait, j'ai fait... Il est désaccordé. Donc là, c'est un prussique. Pardon. D'accord ? Excuse-moi. Un gros bâton. Et en fait... Pour éviter à chaque fois de couper la corde ou faire des nœuds ou faire machin, je vous montre, hein. Je sais pas si on va bien voir. J'ai simplement, bon, c'est un assez gros, mais il est très très long mon plastique, hein. Très très long. J'ai juste mis un petit bout de corde là, parce que les tarbes Décathlon, pour trouver le trou, pour glisser la corde, c'est un peu galère. Et donc je glisse mon plastique à l'intérieur. Voilà, très bien, ma boucle s'est pétée, donc c'est une super démonstration. Donc, je mets mon plastic dedans, je le fais ressortir, je mets mon bâton. Bon, là j'ai mis un gros exprès, voilà, et là je tire, ça bloque le bâton. Et voilà! Parce qu'avant, je m'amusais à faire passer le prussic à chaque fois dans le petit trou du truc Décathlon, mais c'est vraiment galère. Voilà. Et voilà. Ça, je le laisse en permanence. Comme ça, c'est rapide. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Tourne. Tiens, regarde, montre comment c'est propre. Bon, une petite réserve de bois pour les prochains. Non, on s'en va. Voilà, il est l'heure de partir. Sachant qu'il est 4h. Non, il est 5h quasiment. Qu'on a à peine mangé, donc on a un peu faim. Enfin, moi j'ai faim. Je suis un peu en hypoglycémie avec mon sac de 58 kg et 200 grammes. Ça va être un peu dur. Non, je suis assez contente de. Il y a du passage, donc on a quand même bien nettoyé. Pour moi, c'est important quand même. Je sais que Fifi, ça te fait rire, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va rentrer. Je ramène deux bâtons de genévrier parce qu'ils sont assez sympas dans le coin là. J'aimerais bien essayer de voir. Celui-là, je l'ai pas dépioté, mais je le dépioterai. Et voilà, ça me sert de bâton. Allez, c'est parti. Salut, à bientôt. Allez, salut. Allez, salut. Salut. Allez, au revoir. Merci. Attends-moi, Quentin, j'arrive. Merde, j'ai oublié mon sac à dos.